Sur l'épître de Paul aux Colossiens. Il n'a que l'instant à Corangatan Sundami, Mande, Sintik, Paul Sungul Sebron, Colos, Sundama Wendora. Rappel, nous avons parlé de pourquoi une épître. Tenre, ton soukad, ton diela, mais bouillant, comment comprendre l'épître. Te boule Sebron Tole, et la dernière fois, nous avons parlé des relations. La yolom ton da guma l'armentari et Christ avec Dieu. Christ ne wenam l'armentari avec notre relation entre frères. Le paston neta babis l'armentari et notre relation avec le monde extérieur. Le paston l'armentari ne dominning son gumbuton. Aujourd'hui, nous voulons parler de la suprématie de Jésus-Christ. Runa ton na guma Jésus sin yid bumfa yele. La nature de Jésus-Christ à Jésus yalon a été et a fait l'objet de plusieurs débats et des hérésies sont entrées dans l'Église sur la personne même de la compréhension de la personne de Jésus. La zamse simpasira wan ki wendo rapora sinkiene Jésus menga yalon. Laissez-moi vous dire, si nous ne connaissons pas la vraie nature de Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ, notre approche même de Dieu sera faussée.
Notre adoration de Dieu sera faussée. Et notre service de Dieu sera faussé. Au premier temps de l'Église, il y a eu de fausses interprétations ou de fausses compréhensions de la personne de Jésus. Et dans l'église de Colosse, il y avait une mauvaise compréhension de la personne de Jésus. Des enseignements apportés par de soi-disant docteurs qui n'avaient rien compris de l'évangile. Et qui apportait des enseignements erronés concernant Jésus-Christ. Je reviens au premier temps de l'Église pour dire que il y avait ce qu'on appelle les adoptionnistes. Eux, ils pensent que Jésus-Christ était simplement homme. Mais à cause de son caractère, de sa manière de vivre, qui était sans reproche, Dieu l'a adopté pour qu'il devienne son enfant. Donc c'est le mérite de sa conduite. Then ya a Jésus n'a qu'un rang quitté. Et ce qui fait que Dieu l'a accepté comme son enfant. Il rejette la préexistence de Jésus-Christ. Jésus-Christ est né comme tous les autres. À Jésus, mais il a été adopté. Et c'était une hérésie. Qui était propagé par un certain Théodorus de Byzance. Mais l'Église a condamné cette hérésie. Dans les années 190 et à 198, cette hérésie a été condamnée. Il y a eu ce qu'on appelle les docétistes. Eux, ils pensent que Jésus-Christ était une illusion. C'était comme un mirage. C'était une apparence. En fait, Jésus n'est pas une réalité matérielle. Le corps qu'il avait était simplement illusion. Parce que pour les docétistes, la matière est foncièrement mauvaise. Donc il n'y a pas de possibilité que ce qui est divin soit dans ce qui est matériel. Et les docétistes ont été condamnés au concile de Chalcédoine en 451. Il y a ce qu'on appelle les apollinaristes. Pour eux, Jésus-Christ, à Jésus-Christ n'est pas humain. Son intelligence, sa pensée était simplement divine. Ils n'ont pas, ils disent que Jésus-Christ n'est pas humain. Ils ont été condamnés au concile de Constantinople en 381. Il y a ce qu'on appelle les arianistes. Les arianistes. De quelle hérésie émanent les témoins de Jéhovah? Il y a les témoins de Jéhovah
Ce n'est pas une secte nouvelle. Les témoins de Jéhovah puisent leurs enseignements d'eux, même si c'est leur fondateur s'appelle Charles Taz Russell. Reconnu pour être passé plusieurs fois à la justice, condamné pour ses différents mensonges concernant par exemple un blé miraculeux. Disant que lui, il comprenait le grec, il comprenait l'hébreu et qu'il avait transcrit la Bible, traduit la Bible de lui-même à partir de ses connaissances grecques. Convoquer à la justice, le juge lui tend un document écrit en grec. Et lui demande simplement de lire. C'est écrit en grec, on lui dit de dire. Lire. Il n'a pas pu lire. Pourquoi tu ne lis pas? Je ne comprends pas le grec. Et comment quelqu'un qui ne comprend pas le grec a eu la possibilité de traduire la Bible en grec? Non, le grec. Il dit ça grec ou en le bouddha comment? Il dit ça grec bouddha comment ou en le bouddha comment? Pour Arius. D'Alexandrie. Jésus-Christ n'est pas engendré par Dieu. Il n'est pas né de Dieu. Jésus-Christ a été créé. Il a été créé par Dieu. Donc il est. Pour lui, il est la première des créatures de Dieu. Et de ce fait, il ne pouvait pas être de la même nature que Dieu le Père. Au concile de Nicée en 325, l'Église a condamné cette hérésie d'Arius d'Alexandrie. Et l'Église a, sur la base de la parole de Dieu, reconnu que Jésus-Christ est Dieu de vrai Dieu. Et il a été humain, homme de vrai homme, ayant en lui les deux natures qui sont ensemble sans se séparer et sans se confondre. Pour montrer que Jésus a été pleinement, il est pleinement Dieu et a été pleinement homme. Ce qui explique que l'incarnation, c'est Dieu qui a pris la forme humaine et qui a habité parmi nous. Aujourd'hui encore, il y a des gens, une certaine religion, qui affirme que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Il rejette la nature divine de Jésus-Christ. À Jésus, il y a un homme qui a l'homme. Sa filiation avec Dieu le Père. Et Jean nous dit que celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Celui qui ne croit pas au Fils ne croit pas au Père non plus. Et je disais que à l'église de Colosse, il y avait des gens qui tentaient d'apporter de fausses ou des enseignements hérétiques sur la personne de Jésus. Et aujourd'hui encore, des gens ont de mauvaises compréhensions
de la personne de Jésus-Christ. Il voit Jésus-Christ simplement comme un faiseur de miracles. Et parfois même ils pensent commander à Jésus de faire les miracles pour eux. Il y en a qui même inventent leurs miracles, utilisant des procédures qui ne sont pas ce que la Bible nous recommande. Il y en a qui, pour eux, Jésus-Christ est un moyen pour eux de pouvoir avoir de l'argent. C'est un fonds de commerce qui ne manque pas. Si nous ne comprenons pas la réelle nature de Jésus-Christ, comme je l'ai dit au commencement, notre adoration de Dieu sera faussée. Notre service de Dieu sera faussé. Notre compréhension du corps de Christ sera faussée. Et voilà ce que Paul dit aux Colossiens. Colossiens chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 12. Rendez grâce à Dieu, grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et le verset 15, à partir du verset 15, nous lisons cet hymne ou ce chant à Jésus-Christ, comme Paul l'a fait également dans l'épître aux Philippiens au chapitre 2, c'est un cantique à Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible, le premier né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Je disais que c'est un hymne à Jésus-Christ. Comme dans Philippiens chapitre 2. Parlant de Jésus-Christ qui vivait sous forme de Dieu. Et qui a accepté d'être dépouillé. Afin de venir vivre au milieu de nous. Et de mourir une mort atroce et humiliante. Paul dit. La vraie nature de Jésus-Christ, à Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Dieu est esprit. Personne n'a jamais vu Dieu. Même Moïse. À qui Dieu parlait face à face, Dieu ne lui a pas permis de le voir. Il ne l'a pas vu. Il l'a vu passer comme sa robe. Et cela même a transformé Moïse. De telle manière que son visage resplendissait. Quelqu'un qui a vu Dieu face à face. C'était Adam.
Et Ève, Adam qui ont été créés à l'image de Dieu, à qui Dieu rendait visite. Dieu dit, créons l'homme à mon, créons l'homme à notre image. Mais cette image de Dieu en l'homme a été détruite, polluée, changée à cause du péché. Le péché est entré dans le monde par l'homme. Et ce péché a détruit cette image en l'homme. Repartons dans l'Ancien Testament. Et nous voyons comment Dieu voulait que Adam soit. Cette image a été détruite. Et Dieu envoie un deuxième Adam. Et la Bible nous déclare, c'est lui qui est l'image du Dieu invisible. Le péché a détruit l'image. Ce qui fait que nous, humains, nous, descendants d'Adam, nous ne pouvons plus refléter parfaitement l'image de Dieu. Je dis en passant que cette image n'est pas une image physique. C'est pas Dieu, si vous le voyez, c'est un vieillard assis quelque part, sa barbe traîne par terre. C'est pas cette image. Dieu est esprit. Et l'homme devait le refléter. Comme l'homme Adam a échoué, Jésus vient et montre au monde, à l'humanité toute entière, voilà ce que le Père voulait qu'Adam soit. Voici l'image que Dieu a placé à Adam. Si quelqu'un veut connaître Adam sans le péché, qu'il regarde à Jésus-Christ incarné. Il est l'image du Dieu invisible. Et Jésus va déclarer, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Jésus est l'image, le reflet, l'empreinte, tout ce que nous voulons connaître de Dieu. Regardons à Jésus-Christ. Tout ce que nous voulons connaître de la nature de Dieu, regardons à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est venu du Père et qui le révèle et qui le manifeste et qui est son image. Savez-vous que cela est d'une grande importance pour nous de reconnaître que Jésus-Christ n'est pas seulement le faiseur de miracles, n'est pas seulement celui qui pardonne nos péchés, n'est pas un fonds de commerce pour nous. Il est l'image du Dieu invisible. Nous, Africains, de tradition animiste, nous disons que Dieu est, il existe, mais il est loin, très loin là-bas, très très loin là-bas, qu'on ne peut pas approcher. On a besoin d'intermédiaires. C'est pourquoi il y a des totems, il y a des ancêtres et tout. Comme vous le savez, en tout cas plus particulièrement chez les Mossi, il n'y a pas de temple pour Dieu. Il n'y en a pas. On a des cases pour les ancêtres. On a d'autres fétiches. Mais jamais une maison bâtie pour Dieu, créateur de tout.
Mais Jésus-Christ, la Jésus-Christ, le reflet de Dieu, l'image de Dieu, l'empreinte de Dieu, est habité au milieu de sa création. Afin que nous puissions le connaître. Et voilà comme un dilemme qui est là. Il est le premier né de toute la création. Voilà ce que la secte des témoins de Jéhovah déclare. En s'appuyant sur le livre des Proverbes au chapitre 8, je pense. Que Jésus-Christ est la première des créations de Dieu. Quand Dieu parle, le livre des prophètes, des Proverbes parle de la sagesse. Disant que tu m'as créé la première. Ils ont dit par cela que Jésus-Christ a été créé. Est-ce que Jésus-Christ a été créé? Paul s'empresse de dire pour qu'il n'y ait pas de confusion. Il a été créé, c'est lui qui a créé toutes choses. Car en lui ont été créées toutes les choses. Et tout ce qui a été créé, Paul nous dit, a été créé par lui et pour lui. On ne peut pas créer quelque chose qui existe avant moi. C'est celui qui existe avant toute chose qui peut créer toute chose. Et la Bible nous dit clairement que Christ existait. Il existait. C'est ce que Paul nous rappelle. Il existait même en forme de Dieu. Et Jean nous dit clairement qu'avant toute chose, il était là. Tout ce qui a été créé pour lui, par lui. Il était avec Jean l'appelle la parole. Cette parole-là existait. Elle existait avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Jésus-Christ a créé toutes choses. Et quand on parle du premier né de la création, Dieu le place au-dessus, en première ligne de l'humanité, lui qui a été incarné pour qu'il reflète tout ce que l'homme pouvait et devait être, pour qu'il soit le modèle que Dieu attendait de l'homme. Il est l'image du Dieu invisible. C'est en lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Jésus n'est donc pas un simple homme. Il est celui qui a créé toutes choses. Les choses qui sont dans les cieux. Sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Nous posons la question. Est-ce que les autorités politiques ont été créées par Dieu? Est-ce que les autorités traditionnelles ont été créées par Dieu? Nous pouvons nous poser la question. Mais nous savons que tout existe. Si Dieu ne le voulait pas, cela n'existe pas. Et cela nous rappelle aussi, lui qui a créé toutes choses, chacun lui rendra compte de la portion d'autorité qu'il a reçue de la part de Dieu. Chacun rendra compte. C'est pourquoi, si nous sommes à une certaine position, rappelons que cette autorité vient de Dieu. Et nous rendrons compte à cette personne. C'est pourquoi nous devons œuvrer en toutes choses dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à sa parole, pour que
quand nous allons nous présenter à Dieu, il va nous poser des questions. Je t'ai donné une portion d'autorité. Qu'en as-tu fait? Et Jésus nous dit qu'il y a un serviteur. Quand son maître s'est éloigné, il a commencé à frapper tous ceux qui étaient sous ses ordres. Il leur faisait violence. Et quand le maître va venir, qu'est-ce qu'il va dire? Et le maître viendra à l'heure où l'on ne pense pas. S'il le trouve en train de faire du mal, il sera sanctionné. Mais s'il le trouve faisant le bien, il recevra récompense. Paul dit aux Colossiens qu'il est la tête de l'Église. Il est l'autorité suprême de l'Église. C'est lui qui, à qui appartient l'Église. Ce qui veut dire, l'Église, comme vous le savez, ce n'est pas ce que nous appelons abusivement le bâtiment. Mais c'est chacun d'entre nous. Et je dis en passant, si vous dites que votre église n'est pas une église excellente, et que vous voulez chercher une église excellente, vous voulez aller dans une meilleure église, je pense que vous vous trompez. Dieu vous a placé dans cette église, et pour tous ceux qui nous visitent dans l'église, pour tous ceux qui nous écoutent, Dieu vous a placé dans votre église pour que vous travailliez à la rendre meilleure. Ce n'est pas en quittant l'église que vous la rendez meilleure. C'est en y participant, en travaillant dans la prière, en travaillant par la démonstration de votre amour, que vous rendrez l'église meilleure. Ce n'est pas en quittant l'église que vous la rendez meilleure. Ce n'est pas en vous tenant silencieux et en disant oui à tout ce qu'on vous dit. Ce qui est de la parole de Dieu, ça ne change pas. Mais il y a ce qui part de l'administration de l'organisation matérielle. Vous avez des gens qui simplement ils sont là, ils disent oui, oui. Et ils voient même que le pasteur est en train de glisser vers un grand trou. Et le pasteur les demande, est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que devant là, c'est clair, c'est... Pasteur, allez-y. Où est-ce que le pasteur va se trouver? Dans le trou. Et de là-bas, il y a ceux qui seront dehors maintenant. Seigneur, délivre le pasteur. Seigneur, aide-nous à sauver le pasteur. Mais ça, en étant vrai dans l'église, que nous rendrons l'église meilleure. Paul dit, Dieu a voulu que sa divinité habite pleinement en lui. C'est ce que Jésus dit. Celui qui m'a vu a vu le Père. La divinité habite pleinement en Jésus-Christ. Il a été engendré. Il n'a pas été créé. C'est pourquoi Dieu dit à son baptême, au baptême de Jésus-Christ, celui-ci est mon fils bien-aimé. Moi, je l'ai engendré. Je l'aime. Il est mon fils. Et je dis à ceux qui ne croient pas que Dieu a déclaré que Jésus est son fils, que nous croyons à ce que Dieu dit plus tôt
plus qu'à ce qu'un homme dit. Quand Dieu le dit, ça a plus d'autorité que les réflexions d'un être humain. Les hérétiques et tous ceux qui disent autre chose, ce que Dieu a dit, c'est la pure vérité. C'est ce qui est absolu. Ce que Jésus déclare, moi je suis venu du Père. Il l'appelle mon Père. En partant, il dit, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Et Dieu déclare qu'il est son Fils. Qui est l'homme? Quelle autorité avons-nous? Même quel ange pourrait venir dire ce que Dieu a dit, c'est pas juste? Quel ange pourrait déclarer cela? Ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Et sa parole est infaillible. Et personne ne peut changer cette parole. Dieu habite pleinement en lui. Et il nous dit qu'il a voulu réconcilier par lui toutes choses avec lui-même par le sang de sa croix. La raison principale de son incarnation, prenant la forme humaine, c'est la croix. La croix n'a pas été un accident pour Jésus-Christ. La croix n'est pas une manifestation de l'impuissance de Dieu. La croix est le plan établi par Dieu pour réconcilier le monde avec lui-même. C'est pourquoi Jésus-Christ, se dirigeant vers Jérusalem, ses disciples lui ont dit, si tu vas là-bas, ils vont te tuer. Jésus, sachant que le temps était venu pour lui d'accomplir ce pourquoi il est venu en ce monde, la Bible nous dit qu'il a fixé les regards résolument vers Jésus-Christ vers Jérusalem pour y aller. Il n'est pas bon qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Il s'est retrouvé devant le tribunal de Pilate. Et il a parlé. Es-tu roi? Tu le dis. C'est comme tu l'as dit. Es-tu le Fils de Dieu? Quelqu'un t'a dit, ou bien tu l'as connu de toi-même? Je suis le Fils de Dieu. Ce que Jésus-Christ a déclaré, qui est l'homme qui peut dire, des siècles plus tard, que Jésus n'est pas Fils de Dieu? Si Jésus-Christ même l'a déclaré, quel est l'homme pour le déclarer? Qui est l'homme pour dire que ce que Jésus a dit est faux? Ce qu'il a dit, il le sait parce qu'il est le Fils de Dieu. Il rend témoignage de lui-même. Et son témoignage est vrai. Et ce qu'il a dit, il est vraiment Fils de Dieu. Et il réconcilie l'homme avec Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Nous pouvons avoir plusieurs manières de penser. Nous pouvons même tomber dans l'erreur de penser que tous les chemins mènent à Rome. Mais celui qui peut nous réconcilier avec Dieu, c'est celui qui a déclaré, moi je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est celui qui a réconcilié l'humanité avec l'homme.
Est-ce que cela veut dire que tout homme, quelle que soit sa croyance, sera sauvé? Puisqu'il a réconcilié l'humanité avec Dieu, il y en a qui pensent que, comme le philosophe l'avait dit, c'est son devoir de me sauver. Quand il était sur son lit de mort, un pasteur s'est approché de lui. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Pour qu'il te sauve, pour que tu rentres dans son paradis. Il a dit non, c'est son devoir qui me sauve. Réconcilier l'humanité avec Dieu veut dire que la possibilité pour l'humanité est maintenant donnée. Et que celui qui veut entrer en relation avec Dieu que par Jésus-Christ entrer dans cette relation. Vous savez, dans notre culture, moi, le neveu joue un grand rôle. Si vous avez offensé le bourreau, c'est le neveu qui peut intervenir. Il est là pour intervenir. Mais si vous n'allez pas vers lui, vous demeurerez loin du boudou. C'est vous qui prenez la décision. Je prends l'exemple de Jacques. Tu me dis que Mamso, si Jacques, Jacques est un neveu, Mamha, si une jeune fille, dans la tradition, ou bien un homme commet quelque chose contre le boudou. Par exemple, une fille qui prend grossesse étant chez ses parents. Elle est chassée. C'est le yaranga, le neveu, qui peut venir demander pardon pour réconcilier le fautif ou la fautive avec sa famille. Mais étant là, c'est celui qui vient vers lui. C'est celui qui va vers lui. Qui reconnaît que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Qui a offensé la famille. Alors je viens pour que tu interviennes pour moi. Et le neveu dit, c'est mon travail. Quand tu es venu me voir, on verra comment faire. Il va se lever. Lui va aller parler aux responsables du gourou. Leur parler. Vous savez, tout le monde peut se tromper. Votre fille s'est trompée. Votre garçon s'est trompé. Est-ce qu'on peut le rejeter indéfiniment? Non. Il faut qu'un chemin soit dressé pour qu'elle revienne, pour qu'il revienne. Parce que, comme je l'ai dit dans mon livre, la pire chose qui puisse arriver au Mossi, au Moara, c'est quand on lui dit qu'il n'est plus membre de son boudou. Ça, c'est très très grave pour lui. Et là, le neveu vient. Et il offre un sacrifice. Et une fois que le sacrifice est offert, le chef du bourreau va se lever et attraper la main de sa fille. Et lui dit, bienvenue à la maison. Personne dans le bourreau ne peut encore lui dire, tu as fauté. On a complètement oublié. Mais c'est ce que Jésus-Christ est pour nous. Il représente le neveu. Non seulement il est le neveu, mais il est en même temps le sacrifice. C'est lui qui se présente comme le réconciliateur. Mais au lieu d'amener les boucs ou les poulets,
what ne peace wala no se. Il vient avec son propre sang. Bam watane bam menzin. Moi je donne mon sang. Mam kotam menzin. Pour que l'inimitié qui est entre Dieu et les hommes soit effacée. Snai la tiens bam ninga sembe wena me misa alba suka. Mais c'est celui qui accepte venir à lui. La ya net ninga te sak dong wa bam nenge. Si quelqu'un refuse de venir à lui. Net sans zansta kawat bam nenge. Il vivra loin de Dieu. Anan zan ane wena me vimde. Éternellement. Wa kat san kaseta. Aujourd'hui encore. Runda yasa. C'est Jésus là appelle. À Jésus qui est un bon ami. Il interpelle. À Jésus qui est un raccourci. Je suis là pour réconcilier. Mbeka nan pas Abraham ne wena. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Venez à moi. À la croix, il y a suffisamment de sang pour vous réconcilier avec le Père. Si nous avons une bonne compréhension de la personne de Jésus, nous allons l'adorer. Nous allons obéir à ce qu'il dit. Nous allons le servir toute notre vie. Nous dirons comme Paul, ma vie n'est plus à moi. Ma vie est pour celui qui est mort pour moi. Ma vie est celui qui est Dieu manifesté. Et pour Dieu, ce Dieu manifesté. Je l'adorerai. Je le servirai. Amen. Nous voulons courber nos fronts devant le Seigneur. Et nous voulons prier. Santo.